Добро пожаловать в мой канал. Deux garçons de 5 et 9 ans et une fillette de 8 ans ont été retrouvés morts mercredi après-midi à Mérignac, Gironde, rapporte Sud-Ouest. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient été empoisonnés avec des médicaments par leur mère. Cette dernière, une infirmière de 42 ans, aurait tenté ensuite de mettre fin à ses jours. C'est le père de famille, un sapeur-pompier, qui a fait la macabre découverte au domicile familial. D'après France Bleu, il aurait donné l'alerte après avoir retrouvé sa femme inanimée, en arrêt cardiaque, puis aurait vu ses trois les corps sans vie de ses enfants. La mère a été hospitalisée au CHU de Pellegrin à Bordeaux dans un état très critique. Les policiers de la Brigade départementale de protection de la famille, BDPF, de la Sûreté départementale se sont rendus immédiatement sur place. D'après la directrice de la sécurité publique de la Gironde, interrogée par France Bleu, il s'agit d'un couple sans histoire dont les trois enfants étaient scolarisés. Plus d'infos à venir sur Le Parisien.